À l'instar des autres pays, la Guinée a célébré ce 8 mars la fête internationale des droits des femmes. La société Guiter SA était au cœur de l'événement au Palais du Peuple. Une occasion pour elle de renouveler et d'équiper le centre de santé de Dixine qui était dans un état pitoyable. Avec les tables, les nouvelles choses qu'on a eues, je crois que ça va beaucoup nous aider dans la prise en charge. Je remercie beaucoup Guiter, que Dieu les paye, parce que nous on ne peut rien leur donner comme père. Je les remercie, je ne peux dire que ça. Que nous sommes comblés vraiment, nous sommes vraiment ravis du don. Ce n'est pas tout. Plusieurs salles de soins ont été équipées en matériel de dernière génération. C'est le cas de la salle d'accouchement. Des cadeaux ont été distribués aux femmes enceintes et aux nourrices. Nous avions offert des équipements médicaux. Nous avions offert des pampers, des kits de nettoyage pour les nouveau-nés, pour le bain et tout. Et nous avions aussi offert des kits pour les nettoyages du centre de santé. On a fait un peu la repeinture, on a fait la plaque du centre de santé, etc. Nous avions effectué ce don parce qu'aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la fête des femmes, mais aussi c'est la lutte pour l'égalité en ce qui concerne les femmes. Et donc du coup on s'est dit que le centre de santé de Dixine précisément a besoin de notre aide. Ils n'ont pas assez pour pouvoir subvenir aux besoins des femmes enceintes, mais aussi pour pouvoir subvenir aux besoins des nouveau-nés. Donc on a essayé d'apporter un petit changement et on continuera à faire ce changement chaque année le 8 mars. Ces différents cadeaux offerts par Guiter soulagent les femmes, surtout celles qui sont en état de famille, qui ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance à la société Guiter SA. Vraiment là, je suis très contente. Peut-être à cause de ça, Dixine aura beaucoup de femmes enceintes et il y aura beaucoup de femmes aussi qui auront envie de tomber enceinte, quoi. Vraiment, je remercie Guiter. Si on voit ça quand même, on va encourager les femmes vont s'encourager à tomber enceinte quand même. Les hommes vont enceinter les femmes, c'est ça. Quand. La société Guiter SA n'est pas à son premier geste de venir au secours des populations. Plusieurs centres de formation et écoles d'apprentissage des métiers de la femme ont bénéficié l'année dernière de l'assistance de la société Guiter SA.